Bonjour et bienvenue à ce temps de prière du lundi de la 18e semaine du temps ordinaire. Nous sommes en union de prière avec tous nos frères et sœurs en Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Récitons ensemble le psaume 42. Rends-moi justice, Rends justice au mon Dieu, Dieu défends défend ma cause contre un peuple, peuple sans foi. De l'homme qui, qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma, ma forteresse. forteresse. Pourquoi me rejeter? Pourquoi vais-je assombrir, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers, vers Dieu, Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler où mon âme et gémir sur moi? Espère en Dieu, Dieu de, de nouveau, nouveau je rendrai grâce, il, il est mon Sauveur et mon Dieu. Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme, comme il était, était au commencement, commencement maintenant et, et toujours, dans les, les siècles, siècles des siècles. siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il, il a, a fait, fait le ciel et la terre. Tournons-nous vers Dieu et implorons sa miséricorde. Je, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais, reconnais devant vous, frères et sœurs, que, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi, pourquoi je supplie, je supplie la, la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et, saints, et vous, vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie, votre peuple, peuple se réjouira en vous. Montrez-nous Seigneur votre miséricorde, accordez-nous votre salut. Seigneur, écoutez ma prière, que, que mon appel, appel parvienne jusqu'à vous. Dieu notre protecteur, regarde. Vois le visage de ton Christ. Un jour dans tes parvis en vaut plus que mille. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Au Christ, ayez pitié. Au Christ. Ayez pitié. Au Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nous la ferveur de la charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire, Gloire à toi, toi Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens, il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent L'endroit est désert et leur est déjà avancé. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alors ils lui disent Nous n'avons là que cinq pains et deux poissons. Jésus dit Apportez-les-moi. Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait douze paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu, louange, louange à, toi à toi Seigneur, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui nous présente un récit bien connu, la multiplication des pains. Mais au-delà du miracle spectaculaire, ce passage nous offre une profonde leçon sur la compassion, la générosité et la foi. Tout commence avec Jésus qui cherche à se retirer dans un endroit désert après avoir appris la mort de Jean-Baptiste. Il a besoin de temps pour prier et se ressourcer. Mais les foules, ayant entendu parler de sa présence, le suivent. En voyant cette grande multitude, Jésus est ému de compassion. Cette réaction nous montre le cœur de Jésus toujours prêt à répondre aux besoins des autres, même lorsqu'il est lui-même dans le besoin. Alors que la journée avance, les disciples suggèrent à Jésus de renvoyer la foule pour qu'elle puisse aller acheter de la nourriture dans les villages voisins. Mais Jésus leur dit, Donnez-leur vous-même à manger. Cette réponse surprend les disciples, qui ne voient que les cinq pains et les deux poissons qu'ils ont apportés. Jésus les prend, lève les yeux au ciel, bénit les aliments, les rompt et les donne aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ce miracle de la multiplication des pains nous révèle plusieurs vérités spirituelles. D'abord, il nous rappelle que Dieu pourvoit à nos besoins. Quand nous mettons notre foi en lui et que nous offrons ce que nous avons, même si cela nous semble insuffisant, Dieu peut le multiplier au-delà de nos attentes. Cette histoire nous invite à faire confiance à Dieu dans nos moments de manque et de doute. Ensuite, ce récit nous enseigne l'importance du partage et de la générosité. Jésus a utilisé les ressources limitées des disciples pour nourrir une multitude. Cela nous montre que même nos petits gestes de générosité peuvent avoir un impact immense si nous les mettons entre les mains de Dieu. Nous sommes appelés à être des instruments de son amour et de sa providence, à partager ce que nous avons avec ceux qui sont dans le besoin. Enfin, ce passage nous parle de la communauté et de la solidarité. La foule a été nourrie ensemble, dans un esprit de communion. De la même manière, nous sommes appelés à vivre notre foi ensemble, en communauté, en soutenant et en nourrissant les uns les autres. En ce jour, demandons à Dieu de nous donner un cœur compatissant comme celui de Jésus, une foi ferme en sa providence, et un esprit de générosité et de partage. Que nous puissions voir les besoins des autres, répondre avec amour et confiance, et toujours nous rappeler que, entre les mains de Dieu, même nos petits efforts peuvent produire des miracles. Amen. Offrons nos louanges à Dieu. À toi, à toi, toi Dieu, Dieu notre, notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Seigneur. À, à toi, Père, Père éternel, l'hymne de, de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 saint le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, osana au plus haut des cieux. C'est toi que les apôtres glorifient. Toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs, c'est toi que par le monde entier l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons, Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout, à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père, tu viendras pour le jugement. Montre-toi le Défenseur et l'Ami des hommes sauvés par ton sang, enlève avec tous les saints dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens et conduis les justes dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce nous jour nous garder de, de tout péché. Et pitié de nous Seigneur, et pitié de nous. Pitié de que ta nous. miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour le pape François, nos évêques, les prêtres et les diacres. Rions aussi pour tous ceux et celles qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui, qui êtes aux cieux, cieux que votre, votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonnez-nous nos, nos offenses, offenses comme nous, nous les pardonnons aussi, aussi à ceux qui nous, nous ont offensés. Ne nous laissez nous pas, pas entrer en tentation, mais, mais délivrez-nous du mal. Car c'est à toi, toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour, pour les siècles des siècles. siècles. Amen. Par ta parole Seigneur, tu nous as unis au Christ, et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et, et avec, avec votre, votre esprit. esprit. Bénissons le Seigneur, nous, nous rendons, rendons gloire, gloire à, à, Dieu. à Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous garde, qu'il fasse resplendir sur vous son visage, et qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Commencement de l'Évangile, selon Saint Jean, gloire, gloire à, à toi, toi Seigneur. Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Récitons maintenant les prières léonines. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce; le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance. Salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers, vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous votre regard miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce vierge Marie. Priez pour nous, sainte mère de Dieu, afin que, que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force, jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Et par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, et de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons pour la conversion des pécheurs, et pour la liberté et le triomphe de notre Sainte Mère, l'Église, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Cœur sacré de Jésus, et ayez, pitié, pitié, de nous. Nous. De Jésus, ayez pitié, pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, et ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur, Jésus, rendez mon cœur semblable au, au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Visitez notre chaîne YouTube pour plus de vidéos. N'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner et d'activer les notifications pour être informé des nouvelles vidéos. Visitez notre site Web pour d'autres renseignements. Allez maintenant porter la bonne nouvelle au monde.